Good morgen, allez, Iden et Tusra aujourd'hui le Lunishmat, Moverabi Shmuel Ben Shlomo, Zalman Shalom Binyamin Ben Mazal, Rachel Rachel Ben Sarah, ainsi que de Fouat Raphaël Zvulun Ben Chaimalia, Mariam Bat Chassida, Dov Ben Yudit, et Sarah Bat Betirifka Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Choulin par écrit Mishnah Vav. Chomer Bachelev mi Badam, et Chomer Badam mi Bachelev. Chomer Bachelev, Shachelev Moalinbo. וחייבין עליו משום פיגול נותר ותמה. מה שאין כן בדם. חומר בדם שאדם נוהג בבהמה החיה והעוף, בין תמאים, בין תהורים, וחלב אינו נוהג אלא בבהמה תהורה בלבד. On a fini dans notre Mishnah, depuis la Mishnah précédente, en fait, avec le sujet de bassar bechalav, les mélanges de lait et de viande interdites. Maintenant, on reprend le cours de Choulin, qui nous présente toutes sortes d'interdits, à la consommation. Et à présent, on va voir dans notre Mishnah, on va comparer, une fois qu'on a fini de traiter des animaux fermiers, des animaux interdits, des espèces, de la manière de les égorger, après on a commencé à entrer un peu dans le sujet du lait de la viande. Maintenant, on va découvrir l'interdit, deux interdits en fait. L'interdit de ne pas consommer des graisses interdites et l'interdit de ne pas boire le sang. Deux choses différentes. On a déjà eu l'occasion d'en parler, et puis il y aura encore d'autres Mishnah plus loin qui en reparleront encore un peu plus. Mais j'ai eu quand on égorge un animal, alors ensuite on va le séparer en plusieurs parties, en plusieurs morceaux de viande. Et bien il faut savoir, il y a deux choses importantes que l'on va faire ensuite, que les Hercherim, avant de vendre la viande, vont le faire. Tout d'abord, ils vont faire le nikour, ils vont supprimer toutes les graisses interdites et le guidanaché. Le guidanaché, on l'avait déjà évoqué en haut. Il y a aussi les graisses interdites, ce qui correspond en fait aux graisses que l'on apportait à l'époque du Beit HaMikdash. Lorsqu'on a fait un korban, on apportait spécifiquement ces graisses-là sur le misbéach. Il y a les graisses des tripes, les graisses des reins, il y a comme ça, d'accord? Il y a cinq sortes concrètement, la Torah explicite, dans trois parties de l'animal. Et donc les graisses interdites, il y a Issour Karet de manger ces graisses interdites. À part ça, hein, il y a aussi l'interdit de dame, de ne pas boire le sang, d'où la nécessité de faire la melicha avant de manger la viande. On a déjà dit à l'époque, vraiment, quand j'étais encore enfant, je voyais chez nous, quand on achetait la viande, eh bien, nous vendait de la viande qui n'était pas cachérisée. C'était ensuite aux mamans, en arrivant à la maison, de le faire, de cachériser leur viande. De cachériser la viande, c'est-à-dire de les saler. Avec, il y avait tout un procédé, comme ce qu'on fait avec le sel qui va se faire sortir tout de la viande, tout le sang qui est inclus. Avec ensuite le progrès, les viandes congelées qu'on a commencé à rapporter d'Argentine, du coup, ils se mettent à saler, ils salent directement les viandes là-bas, parce que le salage, ils vont le faire dans les trois jours qui suivent, et donc ils salent directement la viande là où ils la battent, et puis après, ils la congèlent et ils l'envoient ensuite congelée. Donc on n'est plus tellement confronté à ça, mais en tout cas il faut savoir qu'il y a le sel, on est encore confronté à ça lorsqu'on mange du foie, bien sûr. Le foie, on ne peut pas le saler, il faut nécessairement le griller, c'est encore lié à ça, on ne va pas en parler. Le but de notre Mishnah maintenant, il est de comparer la gravité, la rigueur du chélève par rapport au sang, ou la rigueur du sang par rapport au chélève. D'accord? Chélève, les graisses interdites. Il y a pour certaines lois, l'un il va être plus strict, et pour d'autres lois, c'est l'autre qui va être plus strict. Tous les deux, ce sont deux issour karet. Si on les prend Beshogeg, si on les consomme Beshogeg, on est Chayav Khatat. Et la Mishnah commence en disant Chomer Bachelev mi Badam. Telle est la gravité de la spécificité plus grave du Chelev, des graisses interdites par rapport au sang. Mais Chomer Badam mi Bachelev. Et telle est la gravité du sang, de la consommation du sang par rapport à la consommation des graisses interdites. Et on commence. Chomer Bachelev. En cela, tu constates que le Chelev, que les graisses interdites, sont plus rigoureuses. Sha'chelev mo'alinbo. Pour les graisses interdites, on peut transgresser, on peut être amené à transgresser un sacrilège. C'est-à-dire, si l'animal il était kadosh, la Mishnah va continuer, va me finir la liste en me disant ce qui ne va pas être le cas dans le sang. C'est-à-dire, si on a un animal qui est kadosh, un korban shlamim par exemple, si toutefois, ça va prendre à quelqu'un de vouloir manger les graisses de cet animal, il va en plus de transgresser l'interdit de manger les graisses, il va aussi transgresser l'interdit de Meïla. Il va faire un sacrilège, parce que c'est quelque chose qui appartient au Beit HaMikdash,
à Hachem, il n'a pas le droit de le consommer lui-même. Alors que ça ne va pas être le cas avec le sang. La Torah l'a explicité, elle a rajouté deux mots en plus pour nous dire à la Mizbach l'Echaper, pour exclure qu'en fait que le sang qui est apte à être aspergé au Tamigdash, si ça prend quelqu'un de le boire, et bien il ne transgressera pas l'interdit de Meïla. Il transgressera l'interdit de boire du sang, mais pas l'interdit de Meïla, de faire un sacrilège. Ok ? Deuxième distinction. Vechayav alav mishum pigul notar betame. On est passible sur lui, sur la vera de pigul, d'avoir dépassé le temps permis, ou plutôt d'avoir égorgé l'animal avec l'intention de dépasser les limites de temps. Venotar, si toutefois on a apporté un korban, alors si on a apporté un korban, on avait le devoir de le consommer très rapidement dans les limites de temps imposées, un jour ou une nuit, ou deux jours et une nuit, et la nuit du milieu. Et si on a dépassé le temps permis, alors on aura un interdit de notar sur le chalev. Idem aussi pour le tamé. Si toutefois il y avait quelqu'un d'impur qui a consommé un korban, alors si au lieu de manger de la viande, il a en plus de ça mangé du chalev, il transgressera un interdit. En plus de l'interdit du chalev, il transgressera aussi l'interdit de ochel tamé, de manger quelque chose qui est tamé. Alors que le sang de l'animal, même kadosh du korban, si toutefois il va dépasser les limites de temps, ou s'il y aura. Le sang n'aura pas été égorgé comme il se doit, il aura eu des mauvaises intentions, il aura dépassé le temps permis, eh bien, on ne transgressera pas un interdit supplémentaire. D'accord ? Machenken, madame. Ce qui n'est pas le cas, donc toutes ces spécificités rapportées ne seront pas imposées, on ne transgressera pas d'interdit par rapport aux dames, par rapport à ces interdits-là. D'accord ? Il n'y a pas de meïla, et puis goul notar tamé, trois choses qui concernent les corbanotes, en fait. En un mot, très simplement, la Mishnah est venue nous enseigner, sache que lorsque tu vas faire un korban, il y a bien sûr plein de halachot plus rigoureuses qui vont devenir imposées. L'interdit de Meïla, Pigoul, Notar, Tamé. Ce sont trois interdits. Tous ces interdits spécifiques ne concernent que les graisses et pas le sang, en fait. Ça peut être résumé comme ça. Vechomer Badam, est-elle la gravité du sang? Les halachot sur lesquels on a trouvé que le sang était plus strict sur le sang que sur le chélev, que sur les graisses. Sha'adam noheg babehema vechaya va'of. Car l'interdit de consommer le sang est en vigueur avec les animaux domesticables et les chaya, les animaux sauvages, va'of, et même avec les volailles. Même avec une volaille, si on fait la shrita et puis après on va récupérer le sang, on va le boire, on transgresse l'interdit de ne pas l'otochlu koldam, ne pas consommer le sang. Et mieux que ça encore, ben tme'im, ben tehorim, qu'il s'agisse d'animaux qui sont purs ou d'animaux qui sont impurs, impropres à la consommation. Même si on va avoir un corbeau mort et on va se mettre à prendre du sang de là-bas et le boire, eh bien on transgresse l'interdit de dame. Ce qui n'est pas le cas avec les graisses interdites. Les graisses interdites ne sont en vigueur que dans les behemas, vechelev, la Mishnah nous dit explicitement, vechelev, tandis que les graisses interdites, et non noeg, ils ne sont en vigueur. Et là, uniquement, les behemas tehora bilvad, dans les animaux, les mammifères domestiqués uniquement, desquels en fait on est capable d'apporter un korban au Beth Amikdash, qui sont juste trois espèces. L'espèce des vaches, pour les bovins, et pour les ovins, il y a deux espèces, les moutons et les chèvres. Alors dans ces trois espèces uniquement, tu seras confronté à l'interdit de chélev. Tandis que, comme ce qu'on avait déjà évoqué aussi, si tu vas même manger, on va manger du sanglier, non, sanglier, ça va pas, non, du cerf, un cerf, une gazelle, je sais pas, il y a des espèces permises parmi ces animaux, donc des animaux sauvages, il y en a qui sont permis, et bien là-bas il n'y aura pas d'interdit de chélev. Ok ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une pleine de la slachakol, tout cela.